Je dis souvent que les diplômes ne font pas les compétences. Je pense que personne ne m'embaucherait au vu de mon long cursus scolaire, parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans. D'avoir des bases, c'est très important, hein, donc de poursuivre ses études, c'est très important. Mais le plus important pour moi, c'est l'humain et les compétences. PGS, c'est l'histoire de trois amis en 1993 qui ont eu une petite idée qui paraissait bénigne autour d'un produit pourtant d'apparence banale mais indispensable qu'est la palette en bois. Et puis cette histoire s'est transformée aujourd'hui en 1300 collaborateurs et bientôt 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Croire en eux, de ne rien lâcher et d'aller au bout de leurs ambitions. Tout donner. Mais surtout, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Plaisir égale enthousiasme. L'enthousiasme est débordant sur les équipes, ça donne une capacité à fédérer. Et avec le collectif, ensemble, plus vite, plus loin, on peut faire des choses formidables et ce qui était impossible, le transformer en réalité. Je suis particulièrement admiratif, par exemple, d'une famille qui s'appelle la famille de Richebourg. Ça a été fondé par le grand-père, par le père et les deux fils que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ils ont toujours cette humilité formidable, cette simplicité et cette valeur du travail. Et sur trois générations, bah ça, c'est pas facile à conserver. Mon rêve de croissance, mais c'est juste pour le fun, c'est pas un business plan ou un business model, mais c'est de dire qu'avant qu'il m'arrive quelque chose, PGS peut atteindre le milliard d'euros. Ça, c'est une certitude en allant notamment à l'étranger. Et puis, si je prends le sport et je le revendique, c'est qu'une fois qu'on aura fait la Pro D2 avec mon équipe de rugby normande, c'est d'aller au top 14. Et je vais m'y employer. Alors je me suis intéressé à investir dans les startups, mais surtout à partager de l'expérience aux jeunes, c'est-à-dire faire ce que personne n'a jamais fait avec moi. Personne ne m'a tendu la main quand j'avais 25 ans autour de mon produit Palette. Et puis aussi, un deuxième point qui est important, c'est qu'en travaillant avec ces jeunes, je comprends beaucoup plus facilement en tant qu'industriel toutes les révolutions et tout ce qu'ils vont changer dans notre monde et beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Ça me permet maintenant d'anticiper les changements et les révolutions qui vont arriver dans l'industrie et de rester au goût du jour.